Donc maintenant place à la troisième question. Il est dit, à partir des équations canoniques, établir les équations du mouvement. Donc ici on a notre Hamiltonien. Et nous, on va utiliser les équations canoniques pour établir les, euh, les équations euh, du mouvement. D'accord? Donc il faut savoir que les équations canoniques de Hamilton sont les suivantes. Donc afin de retenir cela, donc il faut savoir on a Q-point et on a P point. Si vous avez le Q-point, ici vous avez le P. Et c'est DH sur DP. Si vous avez le P point, vous avez ici D le Q. Mais, da, mais, s'il vous plaît, il faut faire moins. C'est tout simplement, c'est la seule différence. C'est la seule différence. I, I, bon, I, c'est, euh, allons, bon, c'est le nombre de coordonnées, d'accord? Ça part de, de 1 jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à 2. Ici, bon, vous avez R et Theta. D'accord. Donc, je veux R, point. Parce que ici, j'ai R et θ. M est repéré par Rθ, ce sont les coordonnées généralisées qu'on a ici. C'est dH sur dPr égale à Pr sur M. Cela implique que Pr égale à MR point. point égale à dH sur dPθ. Égale a pθ sur mr carré. Cela implique pθ égale à mr point. Bon, vous, pouvez, vous avez pu remarquer que les q-points donnent, ne donnent que la définition des p I, tout simplement à savoir, pr égale mr point, qui est une quantité de mouvement ici, et pθ qui est égale mr carré theta point, qui est le moment cinétique selon oz, c'est sigma scalaire. ez qui est sigma z. Donc là, qu'en est-il de p point r? Ici, j'ai h, mais est-ce que je suis fou? C'est moins dh sur dq. Désolé pour cette faute. P.r. Donc je dérive c moins dh sur dr. Ça. Pfiou. Mais pour ce qui concerne celui-là, ça va vous donner. Bon, je vais écrire directement ce genre de calcul. Bon, je vais pas expliquer ces, ce genre de simplicité. Donc carré sur mr à la puissance 3 moins a d'accord et pour le p point theta et bien ça donne 0 ce qui implique que pθ égale une constante cette constante c'est mr carré theta point d'accord donc, l'équation, nos équations de mouvement sont les suivantes. Donc, ici, P R lui -même, c point R, lui-même, c'est M R deux points. Donc, on obtient MR R deux points, moins P theta au carré sur MR à la puissance 3, plus A, égal à 0. Ça, on va appeler ça 1, notre première équation du mouvement. Et on a aussi mr carré et point égale une constante, par exemple C1, notre deuxième équation euh, du mouvement. Bon, j'ai fini la, cette question. Maintenant, si on vous demande par hasard de donner la relation entre θ point et θ2 point, eh bien il suffit juste d'utiliser ce pθ qui est égal à une constante puisque pθ est égal à une constante si je veux p point théta, eh bien ça va donner 0. et ça donne 2 mr r point plus m r carré à deux égal à zéro ce qui implique 2 r r point theta point plus r carré θ de point égal à 0. Et bien ça c'est la relation entre θ point et theta de point. Et voilà. Donc après il faut il faut faire la question 4, donc il faut faire cette question vous-même avant de voir le corriger.